dis aussi que tu es venu nous mentir ici là, que tu as pris l'argent, machin et tout. Je ne savais pas quoi dire. Il me dit, faut venir là où tu es venu nous retrouver l'autre fois, tu nous donnes notre argent et tu pars. Il dit au père là que, le père, tu sais quoi? Tu n'auras plus rien. Quand un truc comme ça se passe, tu m'appelles, tu me poses la question. Je suis venu très honnêtement. Et il y a un truc que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. J'ai l'habitude de dire ici là que j'ai l'habitude de dire aux gens que je suis de l'extrême nord. En réalité, mon père est baleine. Et là où on est allé là, le petit là, il est baleine. Donc en fait, c'est mon fils. Quand je suis arrivé et que j'ai dit à la tante que moi je suis un enfant du village, donc c'est mon fils. C'est vrai que je n'ai jamais dit mes origines aux gens. Mon père est baleine. J'ai dit que là c'est mon fils, donc je ne peux pas vous faire n'importe quoi. Le père m'a parlé, j'ai dit au père là que tu n'auras rien. Donc, c'est comme ça que j'accroche. Quand je raccroche, j'appelle l'entreprise. L'entreprise, parce qu'il y a une entreprise qui avait déjà accepté à hauteur de plusieurs millions. On était en train de discuter, les gars étaient prêts à accepter. J'appelle l'entreprise, je dis, il faut qu'on arrête les discussions. Arrêtons les discussions parce que voilà ce qui s'est passé. Et vraiment, je lave mes mains. L'entreprise me dit, mince, comment est-ce que ça a pu se passer comme ça? Et l'entreprise me dit, pardon, ne lave pas tes mains parce que tu peux faire comme ça, là, après la famille se rend compte qu'on les a menti, ils reviennent vers toi. Je dis, non, le problème là maintenant, c'est mon image. Les gens comme le barman là, le barman où il est là, parce que moi, sans me vanter, je suis l'une des rares personnes au Cameroun qui peut aider la personne là, parce qu'il n'y a que les entreprises pour donner les gros montants. Il n'y a que les entreprises, comme à Pécano, tous ces gens-là, pour les gros montants, parce qu'ils veulent la pub. Puisque je sais que je suis l'une des rares personnes qui peut servir d'intermédiaire entre les entreprises et ce genre de personnes, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Je lave mes mains par rapport à cette histoire-là. Mais, je vais continuer à aider les gens. Parce que je sais qu'on ne peut pas aider cet enfant-là directement. Si on pouvait aider l'enfant-là directement, j'allais le faire. Comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents, et que la famille là a fait ce qu'ils ont fait là. Parce que j'ai été le plus clair possible. J'ai été le plus pédagogique possible. J'ai été très pédagogique dans ma démarche. Et à chaque fois, j'envoyais même mon correspondant de Bafoussam là aller voir le père pour lui expliquer minute by minute ce qui est en train de se passer. J'expliquais tout au père là. La façon dont il m'a parlé au téléphone, j'ai dit que j'ai eu froid dans le dos. Du coup, maintenant, le plus grave. Non, pas le plus grave. En fait, ce que je retiens, c'est que moi, j'ai cru bien faire les choses. Mais apparemment, le barman, en faisant ça, je ne sais pas pourquoi le barman a fait ça. Peut-être c'est parce qu'il peut faire mieux que moi. Du coup, moi, je lave les mains parce que je ne veux pas me salir, surtout avec ce genre de personnes. Un spécimen comme ça, vraiment, ça, c'est souiller même mes femmes, avoir une confrontation avec lui dans ce genre de choses. Si on pouvait aider l'enfant directement, j'allais le faire. Voyez-vous, maintenant par rapport au litchi, vraiment, voilà ce que je vous propose, ceux qui ont cotisé pour le litchi. Tous les gens qui ont cotisé, parce que pour vous dire vrai, moi je ne veux plus, vraiment. Tous les gens qui ont cotisé, soit vous allez me contacter, je vais vous envoyer le numéro de quelqu'un en France qui va vous faire les virements, chacun va donner son nom, on va faire les virements. Soit on va aider la petite ange. La petite ange, c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo des hémodialysés là. Parce que quand je dis ça, c'est pourquoi. Il y a un fan des États-Unis qui m'avait envoyé 100 000 pour la petite ange. Mais j'avais cherché le numéro de sa mère, je n'ai pas trouvé. Et c'est hier matin que j'ai trouvé le numéro de sa mère. Et c'est hier matin que j'ai envoyé les 100 000 à la mère de la petite ange. Donc ce soir, quand le père m'a fait ça, quand il m'a fait ça directement, je reçois un appel. Le père de la petite ange m'appelle, il est content et tout. Je lui dis que papa, ce n'est pas moi qui donne l'argent, ce sont mes fans qui donnent l'argent. Donc, moi vraiment, ce que je souhaite. Et je prends un exemple. Les soins et les 200 000 qu'on voulait donner, par exemple, à la mère du petit. J'ai décidé que demain, j'appelle la mère de Ange, la petite fille qui souffre d'hémodialyse, d'insuffisance rénale. J'appelle sa mère, Ange, je les amène là-bas. Si je peux même faire une vidéo, parce que c'est juste une petite fille, vraiment. Vous avez vu la petite fille, là? Je vais aller là-bas, on va donner les 200 000 à la femme, là, et son enfant. Maintenant, par rapport à votre litige, ceux qui veulent, on va rediriger ça vers la petite Angela. Parce que justement, il y a une association qui est aux États-Unis
ceux qui ont envoyé 100 000 là, pourquoi on remet là? Ils ont dit qu'avec la grâce de Dieu, on pourra amener l'enfant là à l'étranger pour pouvoir lui faire une greffe d'organes, afin qu'elle soit guérie totalement. Vraiment, soit on va aider la petite Angela, soit tous ceux qui veulent leur argent, on va remettre. Mais il n'est plus question pour moi de faire ça. Je pourrais aider l'enfant. Si quelqu'un aide l'enfant et qu'il me prouve vraiment qu'il a aidé cet enfant-là, comme moi je voulais qu'on aide l'enfant, s'il me prouve ça, même s'il faut faire ce que j'ai promis faire là, payer le visa, payer le passeport, le billet d'avion pour qu'il aille en Europe, ça je peux faire, pour vendre ce rêve camerounais-là. Mais moi je dis, ce que le barman a fait là, je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Regarde ce que tu fais. Pourtant, dans sa tête, il sait bien. Quand il partait dans son direct là-bas, dit 10 millions, machin. Quelle entreprise va sortir 10 millions pour donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il part de là-bas dans le direct, dit que, oh, tu as déjà fait quoi? C'est comme si on vit dans deux réalités. Non, mais vous-même, sans être prétentieux, les gars, je n'ai pas fait quoi? Quand Obama n'a pas dit ça, parce que quelque part, hein, je plains la famille et vraiment le gros problème, c'est ce Obama-là. Le gros problème, c'est lui. Non, moi, je dis. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mieux tu leur remets l'argent avant de laver les mains. Non. Je ne peux pas remettre l'argent à la famille là parce que voilà comment ils ont... L'argent que j'ai envoyé, c'est déjà fini. Les 300 000 que j'ai envoyé, la tante prend 300 000, elle remet 200 000 au père. Le père prend 200 000, les gars font comme ça, c'est comme ça que l'argent finit. Jamais l'enfant... Qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant? Maintenant, s'il faut absolument que ça aille pour l'enfant là, vraiment, que quelqu'un de sa famille se décide de prendre l'enfant là, venir avec l'enfant là à Yaoundé. Que l'enfant là vienne me retrouver à Yaoundé, que je voie l'enfant là, et que je sais que là où on amène l'enfant chez le médecin là, c'est l'argent que les femmes ont payé, ça va directement chez l'enfant. Parce que je me suis rendu compte que cette famille là, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est leur bien, pas le bien de l'enfant. Et moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait vraiment mal. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, tous ceux qui ont contribué, moi, je parle seulement de ceux qui ont contribué. Essayez de faire à ce que, soit on vous remet votre argent, soit on gère le problème de la petite ange. Et la petite ange, je vais l'amener.